le tuer. Il est là. Il est là. Il est là. Aidez-moi. Aidez-moi. Protégez votre empereur. Moi, Néron, Augustus Germanicus, vous ordonne de protéger votre empereur. Yeah!
l'état de nos défenses, soldats? À vos ordres. La plupart des hommes de la 18e Légion sont aptes au combat. Trois unités auxiliaires sont à votre disposition. Scorpion, archer et un groupe de catapultes. Seuls quelques ennemis ont réussi à franchir les murs du palais. Aidez-moi! Je vous l'ordonne! Mon empereur, l'ennemi a percé les défenses du palais. Je n'ai que faire de ces barbares! C'est lui qui m'inquiète! Nous devons vous conduire en lieu sûr. En lieu sûr? Il n'y a aucun lieu qui échappe à ce nous démon! Nous devons vous mettre à l'abri. Dans vos appartements? Les appartements? Non, non! La cave! Suivez-moi! Venez! Pourquoi cette porte est-elle fermée? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Je préférerais que vous l'ouvriez. Voilà un général. Yeah!
Enfin. Restez ici, Empereur. D'autres peuvent se dissimuler. Tu vas brûler, Romain! Par ici, vite! Allez, oh, allez, allez, oui, voilà, c'est ça. Vite! Damoclès est revenu d'entre les morts, je l'ai vu! Damoclès. Damoclès est un mythe. Seuls les hommes tuent les hommes, mon empereur. Les dieux nous guident, certes, mais jamais ils n'interfèrent dans les affaires des mortels. Ah oui? Et quel oracle vous a dit ça, général? Mon père. Nous sommes en sécurité ici. Enfin, du moins, je l'espère. Je prie les dieux pour qu'ils nous sauvent. Oh, nous sommes en sécurité ici, mon empereur. Autant que faire se peut. En sécurité, oui, c'est vrai, grâce aux dieux. Mais dites-moi, quel est votre nom, soldat ? Marius. Mais mon nom est sans importance. Seule mon histoire. Mon père m'a appris que les dieux déterminent notre destin, mais que nous restons libres de nos actes. Votre destin était d'être empereur, le mien d'être soldat. Le sens de l'honneur de mon père l'a poussé à servir le peuple. Mais nous, qu'est-ce qui nous a conduits sur ce chemin? Qu'est-ce qui a fait de nous les hommes que nous sommes? Mon histoire commence il y a une dizaine d'années. Père. Marius ? C'est bon de te revoir. Alors de quoi ai-je l'air ? Regarde-moi, un vrai soldat romain. Tu as l'air en forme, mon fils. Sois le bienvenu. Bienvenue chez toi. Sais-tu où on va t'envoyer ? En Alexandrie. Ah, l'Alexandrie, c'est une province paisible. Ta mère sera ravie. N'ai pas rejoint l'armée pour musarder au soleil, père. Je veux me battre, comme toi, pour l'Empire. Chaque chose en son temps, mon fils. Il faut être patient. Et n'oublie pas, tous tes ennemis ne sont pas sur le champ de bataille. Père ? Marius ! Oh. Laisse-moi te regarder. Oh. Comme tu es beau. Mère, je t'en prie. Ta sœur a hâte de te voir. Ils se verront bien assez tôt, mon amour. Pour l'instant, je dois m'entretenir avec mon fils. Bien. Je vous laisse. Je vais chercher ta sœur. Quelque chose ne va pas, père ? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, montre-moi ce que tu as, Poi. Tiens-toi prêt.
D'abord, brise ma garde. On recommence. Rappelle-toi, Marius. Brise ma garde pour pouvoir me frapper. Encore une fois. Non, ça ne va pas du tout. Allez, brise ma garde. Tu sais comment faire. C'est bien. Bravo, mon fils. Recommence, mais ce coup-ci, frappe-moi 3 fois. Débloqué, recommence. 3 touches, ou ça ne compte pas. Allez. 3 fois, Marius. 3 fois. Encore. Encore une fois. Avant de me frapper. Excellent. C'est excellent. Tiens-toi prêt. Tu n'as qu'un court instant pour placer ton coup. Concentre-toi. Attends le bon moment. Réessaie. Choisis le bon moment. Réessaie. Allez, enchaîne tes coups. Une attaque combinée. Allez. Laisse aller, Marie. Attends le bon moment et frappe. Encore. Enchaîne tes coups. Pas comme ça. Réfléchis avant de frapper. Vas-y. C'est ça. Très bien. Je suis à la fois triste et fier. Aujourd'hui, le fils a battu le père. Tu sais manier l'épée, c'est vrai. Mais ne la brandis pas à la face du monde. Commence toujours par te présenter paume ouverte. Viens, marchons. Le bruit court que la situation à Rome est des plus instables. Oui, nous vivons une période de troubles. Ces élections pourraient tout changer. Je te remets à mon tour ce que ton grand-père m'avait autrefois remis. Quand l'heure sera venue pour toi de commander des hommes, rappelle-toi ce que je vais te dire. La légende raconte que Damoclès était un grand guerrier. Un chef vénéré par son armée. Lors d'une bataille, ses commandants l'abandonnèrent à son sort. Quand Damoclès arriva aux enfers, Némésis, déesse de la vengeance, fut prise d'une rage folle en apprenant le triste sort qu'on avait réservé à son héros. Elle permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur, un centurion fantôme en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir poursuivi et tué tous les généraux qui l'avaient trahi. «
Aujourd'hui encore, de nombreux commandants portent une dague au fourreau ornée de l'image de Damoclès. Cette arme est là pour leur rappeler de toujours veiller sur leurs hommes, s'ils ne veulent pas que le centurion à l'armure noire vienne un jour venger les victimes de leur égoïsme. Septima ! Les barbares ! Suis-moi ! Tout va bien ? Tuez-le ! Écoute, ils veulent notre peau, Marius. Il faut aller au Sénat pour sauver les miens. Rien que toi et moi. Allez, Marius. Égorgez ce Romain! Par là, c'est la voie de ton destin. Cours.
par ici. Protégez mon peuple, Marius. Va chercher Flatus. À l'amphithéâtre. Amène-le au forum. Nous protégerons votre père. Allez-y. Tu attends. Le public s'impatiente. Marius, par ici. Mmh.
Ils arrivent, Marius. Ils sont après nous. Nous sommes coincés, Marius. Fais demi-tour et abaisse le pont. Abaisse le pont, Marius. Aide-moi à passer. Bien. Continue. Va au forum, Marius. Ne t'arrête sous aucun prétexte. Suis-moi. Le temps presse. Pourquoi donc, père ?
Aide Leoncus. C'est pire que ce que j'imaginais. Tu dois sauver Rome. Sauve-la de... Sauve Rome, Marius. Barbare! Espèce de sale chien caleux! J'accomplirai ta volonté, père. Je sauverai Rome des barbares. Je ferai couler leur sang. Je suis le commandant Vitalion de la 14e. J'ai combattu aux côtés de ton père. S'il faut verser le sang, je te promets qu'ensemble, nous en ferons couler des torrents. T'es dans la 2e, n'est-ce pas ? Oui, commandant. Plus maintenant. Bienvenue dans la 14e, soldat. Vitalion se chargea de terminer ma formation et tint sa promesse. En tant que soldat de la 14e, j'allais faire couler bien du sang. L'île de Bretagne, ce repère fétide aux confins de l'Empire, était la patrie des chiens qui avaient massacré ma famille et fomenté la rébellion qui grondait à Rome. Mon transfert dans la 14e Légion allait me permettre de gagner ces terres, où j'allais pouvoir prendre ma revanche et écraser l'insurrection. Désolé, l'ami.
approchez. Repliez-vous et regroupez-vous à la tour. Les navires romains ne doivent pas entrer dans le port. Raté. Bien, trop bien. S'occupe de la tour. Ça, Romain. Écrasé par ton propre camp. Chercher les survivants. Je vais m'occuper d'eux. Fuis pendant que tu peux. À la tour! Écoutez-le, sans Marius,
avant! Nous sommes presque à la tour! En formation! Au bouclier! Levez les boucliers! Plus de bouclier, les boucliers! Levez les boucliers! Soldats, tenez bon! Allez, plus vite! Déployez les boucliers! On se replie! On se replie! C'est pas bon, allez! Nous allons détruire cette tour! En avant! Allez-y!
à la mort qu'une fois. Mais le lâche meurt plusieurs fois. Nous avons fait couler le sang des barbares. Ils sont mortels, comme nous. Yeah.
tenir cette barricade jusqu'à l'arrivée de nos archers. Légionnaires ! Formez une ligne ! Allez, soldats ! Prenez ce fort ! En avant ! Allez ! En avant ! Resserrez les rangs ! Défense rapprochée en place ! Les archers ! Attention !
Tuez-le avant qu'il abaisse le pont. Votre père, Marius. C'est un honneur de servir son fils. Par ici. Montez ! Vite ! Emparez-vous de la catapulte et dirigez-la vers la tour. Faites-nous signe quand vous êtes prêts. On va les retenir. C'est compris. À la catapulte!
Commandant! De bons officiers, de bons soldats sont morts aujourd'hui. Marius, tu as prouvé que tu pouvais commander. Tu as gagné le respect de ces hommes. Alors, prends ce casque et porte-le. Légionnaire! Saluez votre nouveau centurion! Très bien, ça suffit! Du calme, soldat! Bien! Maintenant, vous savez de quoi ces barbares sont capables! Ces sales chiens sont prêts à tout pour nous anéantir! Mais ils oublient à qui ils ont affaire. Rome, c'est la civilisation. Rome, c'est l'ordre. C'est la puissance. Et ensemble, nous sommes Rome. Commandant, le roi Oswald et ses barbares marchent sur York. Le général Commodus et la 6e cohorte ont attaqué l'ennemi. Mais nous n'avons aucune nouvelle. Sécurisez les derniers navires et déchargez-les. Que les hommes se tiennent prêts. Nous marchons sur York! Notre marche vers le nord et le cœur de la rébellion fut brutale. Notre progression était retardée par des escarmouches sanglantes avec les tribus vindicatives. Rome avait apporté paix, richesse et prospérité à ces îles. La rébellion avait fait voler tout cela en éclats. Mais enfin, nous y étions. Nous approchions du berceau de cette révolte, fief du roi Oswald et de sa fille guerrière. Des éclaireurs m'ont fait savoir qu'une grande armée de barbares approchait. S'ils réussissent à rejoindre cette armée, nous n'aurons aucune chance. York sera perdu. Par les dieux, ces barbares hirsutes sont 20 fois plus nombreux que nous. Nos pertes seraient énormes si nous les attaquions de front. Vous n'allez pas attaquer. Leur chef, le roi Oswald et sa fille Boudica sont là-bas avec eux. Si nous le capturons, les chefs de tribu devront déposer les armes pour obtenir sa libération. Alors Oswald devra s'agenouiller devant Rome et lui prêter serment. Ces barbares ont un code de l'honneur qui leur est propre. Ils n'ont aucun honneur. Ces chiens osent défier la puissance de Rome. Ils méritent de subir notre châtiment. Notre châtiment ? Ou le tien ? Commandant ! Assez ! Nous allons mater cette rébellion à ma façon. Sans exposer ces braves soldats à des risques inutiles. Est-ce que c'est clair, centurion ? Très clair, commandant. Parfait. Un petit groupe d'hommes va infiltrer le camp ennemi et capturer Oswald et Boudica. Je vais mener le gros de nos troupes et intercepter leurs renforts. Et quels sont mes ordres ? Je t'ai promis du sang, tu te souviens ? Tu vas capturer Oswald et Boudica. Mais avant de faire avancer tes hommes, tu devras éliminer tous les archers postés sur l'aqueduc. Tu commenceras donc tout seul.
Je suis à vos ordres. C'est un honneur. Vous avez entendu, Boudica. On monte la garde, on pose des pièges, on doit ouvrir l'œil. Il y a des signes d'activité romaine dans toute la région. Ils ont perdu leur général et ils vont tout faire pour le récupérer. Si vous entendez quoi que ce soit, je dis bien quoi que... Le pauvre Romain a perdu sa légion. Par les dieux, quel destin est là? Mourir étranglé ou pris au piège? Ça devait être la 4e Légion. Si c'était une légion, on les aurait entendus. T'inquiète pas. Hé hey ! Qu'est-ce qu'on a là ? Prends-toi !
a signalé une légion romaine qui tenterait de prendre... Oh, aux hommes ! Ça, par exemple. T'es perdu, Romain ? Oui. Prends-toi, couvert ! De ce côté, leur légion approche. Positionne tes archers au bord de la route et préparez-vous à tirer à mon commandement. À vos ordres. Je dois pouvoir monter par là. Dépêche-toi de le tuer. Ensuite, retourne en finir avec sa légion.
Avancez! Charge. Je dois seulement pousser ça. Venant ici, tu as signé ton arrêt de mort. Toi. Vous avez trahi Rome. Vous avez tué des femmes et des enfants, tous innocents. Et comment crois-tu que ton empire a été bâti? On ne vous a pas demandé de venir ici. Je suis prête à tout pour défendre les miens. Apprends
position. Un passage sur votre droite. Occupez-les. Attaquez à mon commandement. Je dois faire vite. La ligne ne tiendra pas longtemps. Oswald! Comment osez-vous? Vous n'avez pas le droit d'être ici! Vous souillez notre temple! Garde! Emparez-vous d'eux! Yeah.
Levez-vous! Votre lignée s'éteindra. Maintenant! Ça suffit! Jamais la paix si nous les traitons ainsi. Ce doit être l'œuvre des prétoriens. Halt ! Frère Romain, je vous présente Basilius, le fils de l'Empereur. Commandant Vitalian, vous arrivez à point nommé, bravo. Quelques instants plus tard, et vous auriez manqué les réjouissances. J'espère que votre voyage n'a pas été trop difficile. Sire, permettez-moi... La garde prétorienne va prendre la relève. Garde, occupez-vous du barbare. Sire, je m'élève contre... Vous l'ignoreriez. Nous sommes toujours sans nouvelles de mon frère Commodus. J'ai bien l'intention de découvrir ce que ces sauvages lui ont fait. Nous, les Bretons, vivions en paix sous le règne du vieux chef romain. Mais ce nouveau chef Commodus, fils de votre empereur, est abject. Il mérite réellement son sort. Je n'ai rien d'autre à dire. Eh bien voilà qui prouve que Bretons et Romains n'aiment pas de la même manière. Votre fille. C'est une vraie beauté. Fouettez-la jusqu'à ce qu'il parle, ou qu'elle meure. Advienne que pourra. Non ! Tire ! Comment ? Posez-vous ! Comment osez-vous ? Je suis le fils de l'Empereur. Je fais ce que bon me semble. Pas ça! Non! Pitié! Pas ça! Je vais tout vous dire! Nous avons livré le chef Commodus au roi des contrées du Nord. Par-delà le mur. Pitié! Relâchez ma fille! Je vous en supplie. Voyez, c'est le seul langage que ces barbares comprennent. Le langage de la force. Vous trouverez votre chef dans les sombres contrées par-delà le mur. Là où les montagnes désolées plongent dans les lacs obscurs et sans fond. Des êtres d'un autre âge hantent ce pays, et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Oh, comme c'est fascinant. Commandant Vitalian, j'ai une mission pour vous. Conduisez vos hommes au nord vers ces montagnes désolées, et ramenez mon frère. Garde, enfermez les prisonniers. Prépare les hommes! Vous entendez le commandant? Préparez-vous à marcher! Centurion, nous partons au nord. À vos ordres!
Vitalion mena nos forces au nord, par-delà les frontières de l'Empire, aux confins du monde. Nous affrontâmes des guerriers mi-hommes, mi-bêtes, tellement redoutables que même les légions d'élite romaine n'avaient pu les soumettre. Les paroles d'Oswald nous revenaient à mesure que nous nous enfoncions dans l'obscurité. Des êtres d'un autre âge hantent ce pays, et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Le fort de Glotte. On raconte que ce sont les portes de l'enfer, un lieu lugubre plongé dans des flammes éternelles. Je crains que ce qui se passe ici, aux confins du monde, touche bientôt le cœur de l'Empire. Ingénieur, mouillez les pots. Antonius, vérifie les cordes. Otto, ajuste les poutres. On s'écarte à 10 heures. À vos ordres. Nous allons sauver Commodus. Ils construisent ces géants d'osier pour les sacrifices importants. Il doit donc être par là. Nous attaquerons à la faveur de la nuit. J'aime pas ça. Qu'est-ce que c'est ? S'ils veulent se battre, pourquoi ils ne viennent pas se battre? Allez! Tais-toi! De quoi as-tu peur? On est des Romains, de la 14e! Du mouvement devant! Il a disparu dans la brume! Je l'ai vu, une sorte d'animal, un animal qui marchait sur deux jambes! Taisez-vous! Ces bêtes nous auraient déjà attaqués si elles avaient pu le faire. Non! Elles sont assez sages pour craindre Rome. Au pas de course. Halt ! Je passe devant. Yeah.
Lève-toi, fils de Rome. Ton empire a besoin de toi. Sauve-le. Je dois trouver mes hommes.
Que les dieux aient pitié de nous. Merci, Centurion. Nous devons tous les sauver. Allez! À vos ordres. Tous en position! Formez le testudo! Archer! En position! Je prends le scorpion! Levez-moi ce bouclier! Les soldats en approche!
les portes. Avec moi. Les autres, à droite, et attendez mon signal. Compris. Fouillez le marais. Nos frères comptent sur nous. Suivez-moi. Thank you.
Cette chose est immense! Formez une ligne. Gardez la porte. Je vais chercher Vitalion.
Soldats, prenez le bélier! Détruisez le géant d'osier! Savoir regarder plus loin que ce que l'on voit. Beau travail, Marius. Soldats ! Soldats ! Ne restez pas planté là, espèce de bon à rien ! Faites-moi sortir ! Faites-moi sortir immédiatement ! Je suppose qu'il s'agit de notre noble chef, le général Commodus. Oui. Le fils de l'empereur. Faites-moi sortir, bande d'abrutis! C'est un ordre! C'est à victoire. À toi l'honneur, centurion. À vos ordres. Dépêche! Viens là, espèce de crétin! Donne-moi ta cape! Nous marchâmes sur York. Commodus était sauf, et Oswald prêt à accepter la paix. Je priais les dieux pour que cet insupportable bain de sang cesse enfin. Et que mes hommes et moi puissions enfin regagner Rome. Je commençais à comprendre pourquoi le commandant Vitalion mettait en doute le bien fondé de cette campagne. Combien de soldats étaient morts pour cette soi-disant victoire? Pour ma part, j'avais fait couler bien assez de sang. Gouverneur, j'amène devant vous Oswald, le roi des Bretons. Il a renoncé à la rébellion. Il accepte l'autorité de Rome, et désormais, il se battra pour maintenir la paix entre nos deux peuples. Seigneur Commodus, je demande simplement que mon peuple soit traité justement. En toute équité. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Afin que nous puissions tous vivre en paix. Le traité de paix de Rome. La paix de l'empereur. La volonté de l'empereur! Que le roi pose son sceau sur ce parchemin, et nous pourrons tous quitter cette île maudite. Votre empereur, mon père, est vraiment sage et juste.
Voici le sceau de l'Empereur. Il représente sa volonté et la puissance de Rome. Viens. Embrasse-moi. Roi Oswald, voilà ta mère. Non ! Comment oses-tu ? Espèce de chien galeux ! De quel droit ? Tu vois ? Tu vois ce qui se passe quand on me défie ? Personne ne me défie ! Ce ne sont pas les barbares qui ont tué mon père. C'est l'Empereur. Sauve Rome, Marius. Allez ! À genoux, chien ! Qu'est-ce que vous attendez ? J'ai dit à genoux ! Ce n'est pas le moment, Boutica. Je suis un dieu. Obéissez-moi comme vous obéissez aux dieux. Conduisez-nous au bord. Vitalion, je t'ordonne d'écraser ces chiens de rebelles. Et surtout n'épargne personne. Vous allez le payer très cher. Nous tuerons chaque homme, chaque femme et chaque enfant, et nous cracherons sur vos tombes. Renforcez les murs. Repoussez-les. Vite. Fermez les portes. Il ne faut surtout pas que leurs troupes entrent, compris? Je vais rester ici. Occupez-vous des murs. Marius, nous devons gagner du temps. Tu dois empêcher l'ennemi d'entrer le plus longtemps possible. Nous devons emmener tous les civils au port. Arrange-toi comme tu peux. Je te rejoindrai au palais de justice. Allez ! Sera féroce. Ils veulent nous massacrer, s'emparer de tout ce que nous possédons et aimons, et ne laisser que des ruines derrière eux. Qu'ils viennent, boule de feu, et nous verrons qui sera le plus fort. Archers, tirez! Donnez-nous des cibles, Centurion. Balistes, visez leurs engins de siège. Restez près des remparts. Dès que leurs échelles touchent les pierres, repoussez-les. Les voilà.
Les barbares sont sur le mur. L'archer en position. Repoussez-les!
temps pour couper les cordes et détruire la tour. Quelles sont vos cibles ? Baliste, les engins de siège ! Come on.
dernière chance. Ils ne pourront plus rien faire si nous détruisons cette tour. La ville est perdue! Conduisez ces gens au navire! À vos ordres! Je dois aller sur les quais. Existe-t-il un autre chemin? Oui, vous pouvez passer par les bas quartiers.
Nous sommes coincés. Le sang a coulé. Beaucoup trop. Vitalion a ordonné le repli. Nous devons aller au palais de justice. Centurion, nous sommes coincés. Ça fait maintenant une heure. Leurs archers nous servent. Ces barbares refusent de lâcher prise. Avec moi, soldat! Ils vont goûter à la force de nos boucliers, au tranchant de nos lames. Ne lâchez pas! Tenez bon! Les pilotes! Repliez-vous! Les autres, sécurisez le pont pour la retraite! Je vais retrouver Vitalion au palais de justice! À vos ordres!
n'approche pas du palais de justice, Romain. Marius, viens, suis-moi. Nous allons peut-être pouvoir obtenir un répit. York est perdu. Nous devons essayer de sauver le plus d'hommes possible. Le fleuve est notre seule issue. Nous les aurons à Rome, à bord du navire de guerre. Il est capable de soutenir toutes les attaques lancées par les barbares. Non, ils devront embarquer sur les autres navires. Commodus et sa garde ont fui à bord du navire de guerre. Ils ont été les premiers à quitter le port, en jetant femmes et enfants par-dessus bord. Quel est l'état de nos défenses, soldats ? Nous sommes coupés de tous les quartiers et nous essayons de tenir les ponts, mais la plupart des nôtres ont été évacués. Bien. Quand tous nos hommes seront à l'abri, nous évacuerons sur le dernier navire. Compris ? À vos ordres ! Marius, par ici. Il faut absolument en informer le Sénat. Commodus devra payer pour ce qu'il a fait. Prends le commandement, Marius. Va chercher nos hommes pour le pont et ramène les vivants. Je vais superviser l'évacuation d'ici. Vous là ! Repliez-vous ! Préparez-vous à évacuer ! Je vais prendre le scorpion pour couvrir votre retraite. Faites-moi passer sur la rive gauche. Tirez ! Allez ! Prêt.
Marius. Je les retiendrai jusqu'au départ du navire. Non! C'est vous qui partez. Vous devez vivre. Le Sénat vous écoutera. Vous êtes un commandant. Ils vous écouteront. Allez-y.
Damoclès était un grand guerrier. Il était admiré par toute son armée. Mais ses méprisables généraux l'abandonnèrent. Némésis, déesse de la vengeance, permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir chassé et tué tous les généraux qu'il avait trahis.